Salut à tous et bienvenue sur Point Culture. Cap tout d'abord au Berkeley Wharf Conan Waterfront, où se tenait récemment le Salon d'août organisé par le Cercle des artistes photographes, ou CAP. Le thème choisi pour 2014 était la fluidité du mouvement. Steve Dubois nous en parle. Veuillez toutefois excuser la nature bruyante de cet entretien. Le thème du salon 2014, c'est la fluidité du mouvement, parce que déjà c'est une technique de base, ce qui va connaître. C'est pour garder le meilleur bas de la photographie, mais comment on utilise une technique simple à la portée de tout le monde pour faire quelque chose de créatif. Assez lente pour qu'il nous intensifie le mouvement. Nous, la façon dont on va représenter le mouvement, soit en intensifiant, c'est-à-dire une vitesse lente, ou alors faire l'inverse, peut-être une vitesse très rapide, on arrête le mouvement. Par exemple, un athlète peut faire high jump, nous allons arrêter quand il traverse la barre, ça avec une vitesse rapide. Mais nous sommes capables de nous, même image, en utilisant une vitesse lente pour que nous ne trouvions la personne en tant que telle, mais nous devine ce trajectoire et là nous montrer plus le mouvement plutôt que la personne. Nous réfléchir qui nous parle, certes, mais parfois il y a certaines photos qui présentent à nous et là nous disons réagir sur le coup. Ou alors nous disons, moi je vais faire une filée avec de l'eau et on prend nos caméras pour nous voir dans madame, dans le côté cascade, dans le côté de la ou dans le canal de l'eau, bien, pour nous faire ça. Certains professionnels, mais dans certains amateurs. Mais c'est vrai qu'ils nous encouragent le maximum à approfondir cette maîtrise sur l'appareil, ils sont capables éventuellement de réaliser l'image qui se tient en tête et non pas ces caméras-là de nous. Et après la maîtrise technique, il y a plus le côté créatif. Quand on oublie la technique en lui-même, on se concentre plus dans créer l'image plutôt qu'il pèse un bouton et qui vous mettez là, qui est le setting, qui est vitesse, qui est l'ouverture. Là, il y a une secondaire. Et c'est plus ce qui nous a dans l'esprit, nous. Qui nous dit, nous a développé sa troisième œil, qui trouve ce que le commun de modèle va trouver. Et une fois qu'il est capable d'identifier ce qu'il a envie de faire, à ce moment-là, il peut être parti de plaisir. Et à Maurice, quand nous avons fait un peu de flou, pas pour la question est-ce qui c'est un flou accidentel ou c'est un flou qui l'auteur il a envie de faire. Qui peut refaire derrière ça? Parce que déjà parce que nous pas à l'école nous pas apprendre à faire photo malheureusement. Dans cette caméra nous avons pas la même photographe. Donc il y a beaucoup de choses qui nous pas apprendre, qui nous pas conscient et certains de vous quand même mais ça faut là les flous hein. Alors que l'auteur il me fait dire intentionnellement il a une raison derrière. Nous avons essayé autant que possible de mettre en place de l'auteur et essayer de comprendre qu'il me fait. Et pour ça, il demande quand même un minimum de connaissances photographiques. Un flou de ce moment-là, il vraiment construit le groupe. Il donne plus d'énergie, plus de dynamisme à l'image. Quand c'est une vitesse rapide, on arrête le mouvement. Et si nous ne faisons pas attention, tout paraît statique. Et là, vraiment, nous trouvons le mouvement. Mais non seulement nous trouvons le mouvement, mais le mouvement, il intensifie, il décuplé. Nous sentons vraiment qu'il y a une énergie qui peut dégager. Ce mouvement-là, vraiment, est en adieu. Démocratiser et que tout le monde maintenant capable d'acquérir une caméra. Vous trouvez qu'il n'y a pas que du monde maintenant, nous remarquons pas que du monde peut marcher avec une caméra dans la main. Déjà, bon, c'est un peu phénomène de mode aussi, mais quand même, d'après cela, nous avons une pratique qui est genuine. Et si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous ne trouvez pas que du monde peut poster cette image. Donc, ça l'engouement pour l'image, là, il y a encore là, heureusement. Et
quand nous capables de faire une zone d'image et qui nous envie porter, ça veut dire quand même que quelque part nous réussissons ce qui nous envie faire, nous réussissons à atteindre notre objectif. Et mon pensée, moi, que c'est un émerveillement qui peut toujours rester. Il peut toujours rester aussi longtemps qu'il encourage du monde pour ceux qui sont libres. À chaque fois que nous prenons une caméra, nous devons toujours découvrir quelque chose, nous devons toujours aller à la recherche de quelque chose de nouveau. Promouvoir les artistes mauriciens et leur proposer une plateforme de vente, c'est le but fixé par Sevania Pavou à travers l'expo The Wonderland of 11 Mauritian Artists. Cette exposition, tenue au Mauritius Institute, visait à attirer la clientèle vers l'art mauricien, compte rendu. J'ai mis l'exposition en place au fait, pour pouvoir montrer et inciter le grand public à s'acquérir des œuvres des artistes. Parce qu'à Maurice, les artistes, leur vie et tout, c'est pas rentable. Et moi, je voulais surtout mettre l'emphase sur le côté vente et marketing de toute l'organisation. Donc, moi, j'ai envoyé quelques mails des artistes, des amis surtout, et ils ont répondu positivement. Donc, je vais peut-être enchaîner avec d'autres expositions pour laisser la chance aux autres artistes aussi. Donc c'est plus pour inciter le public à voir ses œuvres, ses grandes œuvres, je dirais, avec des artistes mauriciens, parce que nous avons nous aussi nos Picasso et Da Vinci de Maurice. Donc d'où l'idée de vraiment montrer au grand public les œuvres qu'il y a ici. On apprécie sur l'invitation. Il y a déjà un truc encore qu'on apprécie qui me regroupe bien artistes, mieux que nous, bien camarades. Il y a une fierté aussi, moi, tout moi, en réunir avec ben, plus ou moins, ben, pour moi, ben grand artiste. Moi, je salue l'initiative de Sevani, une jeune qui débute dans un truc, dans un milieu qui n'est pas forcément facile à pénétrer parce qu'au niveau de l'art, il y a toute une histoire autour. Mais comme c'est une jeune très prometteuse, plein d'initiatives, plein de bonne volonté, j'ai accepté volontairement son invitation pour montrer qu'on peut donner la chance à une jeune de débuter et de faire ses preuves. Je pense, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessaire d'attendre des années pour se faire valoir. Il y a une demande de vente sur trompette avec trois personnes différentes. Mais c'est que parole. On attend. Il nous reste encore trois jours pour l'exposition et j'espère qu'il termine avec une vente. Déjà, moi, je suis très passionnée d'art et j'aurais aimé faire passer le message, je dirais, que voilà, à Maurice, on a plein d'artistes vraiment doués. Ils expriment à travers leur toile et j'aurais voulu que le grand public sache les talents qu'on a à Maurice. Et surtout moi, donc je suis dans le domaine touristique, j'étudie le tourisme et je voulais surtout relier les deux, l'art et le tourisme. Donc j'espère que les prochaines expos, même celui-là, sera vraiment, comme on dit, successful. Alors, cette expo, c'est pour promouvoir l'art mauricien, parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ne connaissent pas les artistes mauriciens. Et c'est de promouvoir aussi vis-à-vis des touristes et des gens. Alors déjà, nous sommes à la galerie du Musée d'histoire naturelle et je suis fière de dire qu'il y a un tableau qui a été déjà vendu. Donc les visiteurs sont plus bien sûr les touristes, il y a pas mal de Mauriciens aussi qui viennent.
Donc, j'aimerais bien encourager d'autres personnes, surtout les hôteliers, à venir voir ces œuvres parce que les artistes à Maurice aiment bien participer à des ateliers dans les hôtels. Donc, pour eux, ce serait encore plus une chance d'être dans les hôtels avec les touristes et aussi les inciter à acheter les œuvres. Et c'est surtout les collectionneurs qui connaissent vraiment l'art et qui aiment. Donc, c'est surtout ce genre de clientèle qui achète. Il y a des touristes qui viennent pour l'artiste lui-même, pour le travail d'art. Il y en a d'autres qui viennent pour des petits souvenirs commerciaux, comme si des trucs qui ressemblent un peu à des cartes postales. Mais il y a différents touristes. On ne peut pas les mettre dans le même panier parce que chaque touriste, ils ont une perception de l'art tout à fait différente de celui qu'on achète au coin du marché, quoi. Au fait, quand un étranger est content, il paie l'emploi. C'est quand il n'est pas pour acheter qu'il dit où c'est lourd et tout. Mais quand il est pour acheter, emballe-moi ça, même pas combien, final, oui combien, et là c'est bon. Ben, je pense que les Mauriciens doivent s'intéresser à l'art, connaître les artistes mauriciens, soutenir l'art mauricien parce que c'est vrai qu'on est plus soutenu par les touristes que par les Mauriciens. Donc même s'ils ne vont pas acheter, mais au moins de venir nous soutenir, de venir voir, de savoir qu'est-ce que les Mauriciens peuvent faire. Enfin, moi, personnellement, je vais poursuivre, étudier vraiment les dossiers de ces artistes-là, je dirais. Donc on va médiatiser encore plus sur les réseaux sociaux. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, prendre contact avec moi sur mon profil Facebook. Donc il y a un suivi avec ces artistes, c'est sûr. C'est tout pour cet épisode de Point Culture. Restez branchés sur notre scène culturelle. Adios.